Le veau d'or, les chats qui dominent Internet. Le cheval serait la plus belle conquête de l'homme, alors que le chien son meilleur ami. Et si on vous avait menti? On vous a donné ces animaux symboliques pour vous jeter un os, détourner votre attention. Et si toutes ces créatures charismatiques n'étaient que des sbires à la solde d'une seule d'entre elles? La seule, l'unique, the chosen one, the greatest of all time. La chèvre est omniprésente dans notre société. Le dieu cornu est la seule entité à être derrière tout ça. Nous avons découvert dans les régions de l'ancienne Mésopotamie des ossements de chèvre nous montrant qu'elle était bien là depuis la nuit des temps, là où tout a commencé. La réalité est alors biaisée. La chèvre de M. Seguin n'a été qu'un bouc émissaire, faisant passer ses congénères pour des menteuses ou des farceuses. Sachez que tout cela est révolu. La chèvre se sera montrée plus que patiente avec nous, et elle est là pour rétablir la vérité. Ne dit-on pas d'un athlète ayant atteint le panthéon des sportifs que c'est le GOAT? L'émoticône chèvre utilisé à travers les réseaux sociaux n'est pas là pour souligner le côté trouble-fête d'un individu, mais bien qu'il est le meilleur de tous les temps. Moïse, grand prophète issu des Saintes Écritures, est apparu avec des cornes de chèvre. Dans les plus grands artistes de notre époque, certains d'entre eux ont été choisis par elle pour être représentés dans leur démarche artistique. Nous parlons ici d'artistes comme Goya, Picasso ou encore Chagall. Peu importe d'où vous venez, ce que vous faites de votre vie ou ce à quoi vous aspirez, si vous vous en montrez digne, la chèvre vous choisira et vous emmènera vers de nouveaux horizons. Devenez un élu, celui qui pourra changer la donne, celui qui deviendra tout simplement le meilleur de tous les temps. Réveillez la chèvre qui est en vous. Cessez d'être spectateur de votre histoire et devenez enfin celui qui l'écrit. On ne choisit pas la chèvre. C'est bien elle qui vous choisit.